des histoires que l'on racontait. Ça commence avec un voyage. J'ai promené tout par pied. Dans la Provence, des privés, de l'eau, je ne trouvais pas en trouver, même pas un petit seau. J'ai vu une figure dans le lointain, semblait comme un tronçon d'arbre dans les plaines. C'est là, quand j'ai découvert que c'était Elzéard Bouffier. Il m'a conduit à sa belle maison. C'est quand j'ai remarqué qu'il séparait des grands. Le jour après, quand il a travaillé comme berger, il m'invita d'aller planter les grands dans une terre commune très belle. Et il m'a dit qu'il avait planté 100 000 dans 3 ans. C'est ce qu'il a fait. Ils sont là pour rester. Si, wow, wow, il plante des arbres, wow, wow, donnez des arbres, wow, wow. Ils sont beaux, super beaux. Je dis wow, dis wow, wow. Le pouvoir d'une personne, wow, wow. Pour aider la nation, wow, wow. La direction nationale, ha, ha, ha. J'ai visité Elzéard souvent, mais à cause de guerre, ça fait longtemps. Je vois ça dans un petit car maintenant. Beaucoup a changé depuis ces 6 ans. Avec un étonnant qu'il y avait 10 à 12 maisons. Maintenant il est différent, plein de personnes avec des emplois. L'espoir était donc revenu, tellement que j'ai dû penser beaucoup. Mon segment changement s'est venu, puis j'ai vu la forêt d'Elzéard Bouffier. Autour de moi tout était vivant. Whoa! Des arbres, whoa! Des milliers des arbres, whoa! Whoa! Ils sont beaux, super beaux. Je dis whoa, dis whoa, whoa! Pour voir d'une personne, whoa, whoa! Pour aider la nation, whoa, whoa! Résurrection, national, Havana! C'est fini, dernière fois que je l'ai vu. Elzéard Bouffier a voulu que ses arbres ont du pu longtemps sur les queues. Et tous ses désirs sont réalisés partout. L'air plus frais, pays plus beau. Finalement, fontaine d'eau. Renversé qu'il a eu succès. Je vais toujours être étonné.